Bien bonjour à tous, on va me remettre en route la machine pour faire les févroles. L'autre jour je l'ai mis en route pour l'avoine, l'avoine que j'avais semée à la volée. Ça a été un peu compliqué au départ parce que la zone couchée, il fallait la reprendre à rebrousse-poil. Sinon ça ripait les épis, mais on a réussi à ramasser à peu près tout parce qu'il y avait quand même 18 quintaux. Pour le peu que j'avais fait, c'est satisfaisant. Et là, on va aller dans les févroles. Je vous montrerai un peu comment ça se passe, la moisson. Là, on va faire un petit tour de la machine. Faut tout le temps en faire ça, ça évite des pannes. Regardez si les sections sont en état. Bon, moi elle est pas large, hein, c'est 3 mètres, mais elle a 43 ans cette année. Vous voyez la coupe, on avait refait la barre entièrement, les sections à neuf. Bon, là il reste de la paille d'avoine, les diviseurs. Faut faire les graissages quotidiens. Vu qu'il n'y avait pas grand chose, pas la graisser, on la graissera après. Il y a encore la graisse. Faut regarder si les courroies sont pas détériorées depuis. Là je vous les ferai tourner tout à l'heure. On regarde en même temps en marche avant d'aller bosser. On regarde s'il n'y a pas des fuites d'huile, s'il n'y a pas de corps étranger. Ce que je vais faire aussi, c'est me remettre à presser. Je vais vous montrer.
Voilà, comme je vous dis, je vais me remettre à presser. On a de la paille à faire parce que on en a plus. Des petites bottes. Là, c'est la 430. Encore une IH. On va la remettre en route parce que ça fait. Ouais, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné. Et on va faire un petit tour. Regarder s'il n'y avait pas des petits problèmes. Là, ça a l'air d'être assez bien. Après, il y a tous les systèmes à revérifier. Les ficelles. Les ficelles, il y avait un problème. Ici, là, il y en a une qui avait sauté. Alors, on l'a remis. Là, on va essayer de la renclencher, qu'elle se renclenche dans le noueur. Pour ça, faut l'attacher sur une barre en bas là, et elle se remet automatiquement. Parce qu'en fait, là, cette presse, ouais, c'est l'International 430. Et vous voyez, c'est des ficelles comme ça là. Ça fait des bottes de 18-20 kilos. C'est système tout simple, hein. Comme sur les grosses presses, deux noueurs. Et après, ça vous sort des bottes. Vous voyez, là, il manque la ficelle parce qu'elle était sortie du noueur. Normalement, elle doit être à côté. J'essaierai de vous montrer un peu comment ça se passe.